Inflation et seconde main, comment gagner de l'argent les vêtements que l'on ne porte plus? Que ce soit pour faire des économies ou consommer de façon plus responsable, l'économie circulaire est la solution de l'avenir pour bien se vêtir sans trop dépenser. Le concept: ne plus laisser dépérir les vêtements que l'on ne met plus et à la place leur donner une seconde vie. Le don a jusque-là été très populaire, mais on ne va pas se mentir, l'inflation rend le quotidien de beaucoup de Français compliqué. La solution: trouver les bons moyens pour se faire de l'argent avec ses vêtements. Et il y en a quelques-uns faciles à tester dès maintenant. C'est la solution numéro 1 pour vider ses placards en masse et se faire de l'argent. Bien avant les applications d'achat et ventes en seconde main, le vide dressing se faisait entre voisins, entre copines et même pendant les vides greniers. Pour bien préparer le sien, deux options se présentent. La première, c'est de l'organiser soi-même en faisant usage du bouche à oreille des réseaux sociaux. Pour cela, on doit s'assurer d'avoir un espace assez grand pour entreposer la marchandise, recevoir les clientes et se préparer un petit coin sécurisé pour les paiements. On n'oublie pas de demander à un proche de surveiller les articles qui ont le plus de valeur, comme les sacs de créateurs que l'on voudrait vendre, avec seulement ses affaires ou celles de toutes ses copines. Un vide dressing bien préparé peut attirer beaucoup de monde. L'autre solution, c'est de participer à un vide dressing organisé par quelqu'un qui habite à proximité, une influenceuse qui communique sur ses réseaux sociaux par exemple, ou de réserver sa place dans un vide dressing local. Pour cela, rien de plus simple, on s'inscrit sur les plateformes comme Violette Sauvage pour obtenir sa place dans un vide dressing qui attirera du monde. En passant par ces organismes, on a plus de chances d'obtenir de la visibilité. Le plus simple, c'est quand même de se faire de l'argent sans, presque, sortir de chez soi. Vinted, Le Bon Coin, Vide Dressing, Facebook Marketplace, les plateformes d'achat et revente sont vraiment nombreuses aujourd'hui et tout le monde s'en est servi au moins une fois. Le plus gros challenge de l'utilisation de ces applications et sites de seconde main, c'est d'obtenir de la visibilité. Et pour cela, il faut s'assurer que ses photos et sa description d'article soient impeccables. D'ailleurs, voici les conseils des pros de Vinted pour poser des annonces qui ne passeront pas inaperçues sur les plateformes de vêtements d'occasion. Une fois la vente validée, il ne reste plus qu'à envoyer le colis dont les frais sont également réglés par l'acheteur. Cette solution permet d'écouler à son rythme son stock de vêtements et d'accessoires à revendre sans chambouler tout son agenda. Et si nos vieux vêtements nous permettaient de s'en acheter de nouveaux à moindre prix? C'est l'idée de ce concept plutôt cool et que de nombreuses enseignes ont déjà mis en place. Le principe: ramener les vêtements que l'on ne porte plus pour obtenir un bon d'achat à utiliser dans la boutique. H&M propose cette solution depuis déjà 2013, mais l'enseigne suédoise n'est plus la seule à le faire. Bonobo, Cash Cash, Carol, Kiabi, même Carrefour et Auchan ont cédé à la tendance. Les vêtements sont ensuite triés, recyclés, revendus en rayon d'occasion ou envoyés à l'étranger pour faire profiter ceux qui en ont besoin. Le consommateur reçoit en échange un bon d'achat de quelques euros en fonction de son don. Les modalités sont disponibles sur les sites de chaque enseigne.